to my channel. Je vais commencer chaque vidéo avec un chat dans les bras. Je vous présente Ginny au passage. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les temps et vous allez voir que je vais partir d'un exemple très concret pour expliquer son utilisation en anglais. Ça t'intéresse pas? Ok. Alright. Donc on va commencer par une phrase toute bête, mais qui va permettre de déterminer vraiment l'utilisation de ce temps-là. Si je vous dis par exemple, I work, ça veut dire j'ai un boulot. Alors je sais que tout le monde est capable de traduire I work égale je travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un anglais dit I work, ça veut juste dire j'ai un travail, ça veut pas dire qu'il est en train de le faire. Ça, ce sera un autre temps. En fait, quand vous prenez ce qu'on appelle le présent simple, quand vous prenez juste une base verbale, que vous conjuguez ce verbe donc au présent simple, c'est pour exprimer quelque chose qui est globalement une habitude, globalement générale, mais pas forcément là maintenant. Si je vous dis par exemple « I am working », là oui, là c'est en train de se passer, ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le présent continu, présent progressif, présent B plus ING. Si vous ne voulez pas connaître le nom des temps, bah c'est pas grave, mais moi je vais devoir les employer histoire d'avoir des repères, d'accord? Donc si vous avez un verbe en B plus ING, ça veut dire globalement que cette action est en train de se passer. Alors, il y a des exceptions, hein, il y a plein d'exceptions. De toute façon, on est dans de la grammaire, il y a quasiment autant d'exceptions que de règles. I'm working pour exprimer une action en cours ou en train de se passer. Ensuite, on va prendre un autre exemple, cette fois-ci au passé, qu'on appelle le prétérit simple en anglais. Alors, dès que vous avez une date passée dans une phrase, vous allez avoir ce temps-là. Il n'est pas dur, c'est ED sur le verbe. Work, worked, par exemple. Et par contre, les verbes irréguliers, bah, eux, il faut les apprendre par cœur. Ah, bah, on les a tous appris par cœur. Ouais. Mais est-ce qu'on a appris à les utiliser? Pas vraiment. À les prononcer? Ça dépend. Donc, on va faire un exemple tout bête. Hier, j'ai mangé une pizza. Yesterday, I ate a pizza. I ate. Au passage, il se prononce comme le chiffre 8, hein, lui. Donc, c'est le verbe to eat qui va faire ate au prétérit parce qu'on avait une date dans la phrase. Si, à contrario, il n'y a pas de date dans la phrase et que vous voulez juste dire « Ah, j'ai mangé une pizza, du coup, j'ai plus faim. » Ou alors « Ah, j'ai mangé une pizza. » J'en veux bien une deuxième. Bref, on ne sait pas ce que vous voulez dire par là. En attendant, on ne dit pas quand c'est arrivé. Ça n'a pas trop d'utilité. Ce qui compte, c'est un lien, là, tout de suite, maintenant. Vous voyez? Par exemple, bon, bah, manger une pizza, check. I have eaten a pizza. I have eaten, cette fois-ci, on va utiliser la troisième colonne des verbes irréguliers. Donc, on est sur ce qu'on appelle un participe passé. Ce temps-là, c'est donc du present perfect simple. Par expérience, parce que ça fait un petit peu 15 ans quand même que je suis dans le métier, le present perfect, c'est un des temps qui est moins bien compris. Et pour cause, hein, parce qu'il ressemble à notre passé composé, mais il n'a pas les mêmes utilisations. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Là, l'aspect le plus facile, celui qu'on voit aujourd'hui, c'est juste les différences entre I ate et I have eaten. I ate, je donne le moment passé, I have eaten. Je parle des conséquences de cette activité. Donc il y a eu une pizza de bouffée et une pizza de manger. Je vais faire un deuxième petit exemple de ça, d'accord? Si je vous dis « j'ai fait mes devoirs hier », je vais rester encore sur hier, « I did my homework yesterday ». Au passage, « homework », il n'y a pas de S, c'est un singulier en anglais, c'est un indénombrable, c'est du travail de chez soi. Bon bref, « I did my homework yesterday ». On a dit quand c'est arrivé, c'est donc du passé, ok? Donc c'était le verbe « to do » qu'on a mis au passé, « I did ». Lui aussi c'est un verbe irrégulier. Si par contre, on veut juste dire « ah, j'ai fait mes devoirs, check, toujours ce petit check, hein, de case, de to-do list à cocher. I have done my homework. Yay, je peux jouer à la Switch. Yay, je peux faire ma muscu. Donc, I have done my homework. Cette fois-ci, de nouveau have et done, la troisième colonne. Ok, partie passée. Il y a des nuances quand on utilise des temps en anglais. Elles sont pas dures à apprendre. Faut prendre le pli, hein. C'est pas une langue latine, c'est pas une traduction mot à mot. Ça, c'est vraiment le gros truc que je voulais dire dans cette vidéo. Et puis, bah, je vais faire un dernier temps. Un dernier temps qui est un petit peu un mix de ce qu'on a vu tout à l'heure, le B plus ING, mais cette fois-ci, dans le passé. Par exemple, hier, à 18h, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo. Yesterday, at 6 p.m., parce que vous vous souvenez qu'en anglais, ils ne savent pas compter jusqu'à 18. Hein. C'est 6 a.m. pour 6h du mat et 6 p.m. pour 6h de l'après-midi. Hein. Donc, 18h. Donc, yesterday, at 6 p.m., I was playing video games. I was playing. Donc, c'est bien B plus ING. Being conjugué au passé. Parce qu'on a donné une date passée. Donc, ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le prétérit continu.
pour parler d'une action qui était en cours à un moment passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez mon âge ou pas, vous êtes plus jeune certainement. Mais en fait, c'est la frise qu'on faisait, qu'on avait apprise au collège. Une action qui était en train de se dérouler, qui est interrompue dans son déroulement justement par une action brève. Par exemple, I was working when you called. J'étais en train de travailler quand tu as appelé. Quand tu as appelé, when you called, ça va être en ED simple. Parce que c'est une action ponctuelle. Ok, voilà, c'est un petit résumé des temps, j'en ai fait que 5. Essayez de vous immerger, de vous éduquer, d'apprendre. Si vous souhaitez apprendre avec moi, il y a des formations gratuites sur mon site, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est gratuit, sans engagement, je le dis tout le temps. Et en fait, ça vous permettra de remettre le nez un petit peu dedans, peut-être de vous motiver à apprendre l'anglais en 2022, parce que d'ici la fin de l'année, là, vous avez envie de parler anglais couramment. Ouais! Vous avez envie de cliquer sur la cloche pour savoir dès que je sors une vidéo. Ouais! Et puis de commenter quand vous aimez et de mettre un like, ce serait sympa. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, je publie tous les jours des vignettes ludo-éducatives. Ça veut dire on apprend en s'amusant avec des couleurs, parce que je trouve ça plus joli. Voilà, bon, je vous souhaite une agréable soirée, journée, week-end, selon quand vous regardez cette vidéo, et à très très bientôt sur ma chaîne.